Alors salut à tous, donc voilà, aujourd'hui en fait visite de Kaiding Tomb, donc la tombe d'un des rois, d'un des empereurs, et donc là on est juste devant l'entrée. Donc voilà, toujours le dragon pour symboliser, souvent par rapport aux empereurs, il y a souvent des dragons, très gros symbole, très important symbole au Vietnam, et donc là c'est par rapport à la tombe. Donc voilà, je tiens à expliquer en fait, à Hue, il y a plusieurs tombeaux, il y a plusieurs pagodes. Je les visite pas toutes. L'histoire c'est de présenter, j'essaie de voir les plus intéressantes, celles qu'on m'a dit comme les plus intéressantes. Mais après, si un jour vous venez à Hue et vous avez plus de temps ou que vous voulez rester plus longtemps, il y a beaucoup de choses à visiter quand même. Donc n'hésitez pas, voilà, visitez et découvrez par vous-même. Moi je ne montre qu'un petit exemple, une petite panoplie de ce qu'il y a à visiter. Alors voilà, pour donner plus d'informations, Kaiding était un empereur, le 12e empereur en fait de la dynastie Nguyen. Il a régné pendant 9 ans, donc de 1916 à 1925. Et il faut savoir qu'il a fallu 11 ans pour construire la tombe. Donc ils ont utilisé en fait des matériaux français modernes, donc du ciment, du fer, de l'acier, des tuiles d'ardoise. Le tout associé quand même avec des matériaux traditionnels vietnamiens. Donc il faut savoir que la tombe a été designée comme un château européen en fait du Moyen-Âge. Bon, en voyant un schéma, en fait, si on regarde le schéma, voilà, on est loin quand même du château du Moyen-Âge qu'on connaît en France, mais voilà. Donc maintenant, partons pour la visite. Donc il faut savoir que les empereurs, les rois, étaient souvent, leurs tombes sont souvent sur des montagnes en hauteur. Voilà, donc des statues. Je suppose que les statues sont là en fait pour accompagner le roi, l'empereur, pardon, dans son voyage après la mort. Donc c'est vraiment marrant parce que ici en fait sur les dragons ils ont vraiment fait des yeux en verre sur certains dragons. C'est vraiment marrant, c'est la première fois que je vois ça ici au Vietnam. Et ils ont vraiment rajouté ces yeux pour donner un effet plus réaliste, je pense, ou peut-être que ça n'est symbolique, je ne sais pas, mais c'est vraiment. Alors je sais pas si vous entendez, mais on entend les grillons aussi. On a l'impression d'être dans le sud de la France. Je trouve vraiment beau en fait. Voilà, il y a les arbres, le vert des arbres qui est un vert très pur. Enfin, mixé avec le noir de la roche. Je trouve ça fait un effet vraiment, ça se marie bien ensemble. Et c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà. Là on approche vraiment de la tombe de l'empereur. Donc on rentre par le côté, on ne peut pas rentrer directement de face.
voir que le bâtiment est en trois parties. Deux parties identiques à droite et à gauche, et l'espace central qui est vraiment dédié à l'empereur. Donc les parties à droite et à gauche sont vraiment pour les mandarins. Et la partie centrale est donc réservée à l'empereur. Donc voilà, on est vraiment dans l'espace central. Et voici la tombe de l'empereur. Donc la statue est en bronze et elle a été créée en fait en France. Énormément de mosaïques, c'est assez incroyable. Je suis assez étonné au final, il y a beaucoup moins de dorures que je ne l'aurais imaginé. C'est assez sobre par rapport à ce que j'imaginais. Vu que c'était un empereur qui a régné ici pendant la période où. Non, perdu. Enfin, en tout cas, c'est une période où les Français étaient présents et où il y avait beaucoup de liens entre la France et le Vietnam. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup par rapport à la France. Voici la vue en fait que l'empereur a depuis sa dernière maison.